homme d'action. L'homme qui voudra diriger l'orchestre devra tourner son dos à la foule. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Entre les lignes. Très heureux de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission Entre les lignes. C'est une émission qui incruste le monde de la littérature, ses lecteurs et bien sûr ses auteurs. Et ce jour, nous avons le plaisir d'avoir un auteur prolifique, un auteur prolixe. Il s'agit bel et bien du général de Dieu, le révérend docteur Dunodor Kamdemnunga, avec qui nous ferons forcément un zooming sur de l'échec au succès. Un livre qui a forcément des révélations sans pareil, un livre dont la quintessence, illustre parfaitement et met en lumière les vérités fondamentales qui sous-tendent bien sûr toute la vie chrétienne authentique. Alors, mesdames, messieurs, le livre est écrit dans un style approprié. L'auteur également présente de façon claire et accessible toute la pensée, toute la révélation que le Seigneur lui a faite, bien sûr, dans ce livre. Vous découvrirez dans quelques instants, mesdames, messieurs, des proclamations puissantes. Vous découvrirez des citations très fortes et même très éducatrices. C'est dans quelques instants seulement. Permettez donc que je l'accueille. Lui, l'auteur de cet autre best-seller, le général de Dieu, le révérend docteur Dunodor Kamdemnunga. Une fois de plus, bonsoir mon général et bienvenue sur le plateau de Entre les lignes. Bonsoir Cyril, bonsoir nos amis téléspectateurs et bonsoir également à ceux qui nous écoutent du côté de Dunamis sur la belle fréquence. Nous restons convaincus que Dieu, de manière incroyable, est en train de communiquer la passion de la lecture au sein de son Église. Laissez-moi vous dire, Cyril, pour votre gouverne, que lorsque les peuples de Dieu commencent à lire, le réveil est authentique. Le réveil du livre d'Esdras a commencé avec la lecture. Car ils ont lu le livre de la loi, le peuple a été réveillé dans son esprit et s'est mis à chercher Dieu d'une manière incroyable. Mon général, nous tenons entre les mains un autre livre qui vient révolutionner la littérature chrétienne, pour l'avoir lu. Exactement. Il faut dire que de l'échec au succès, M. Cyril Châtelet-Wolo, qui a pour sous-titrage d'ailleurs « Provoquer le héros qui est caché en toi », est l'un des meilleurs livres, en fait, pour vous surprendre. C'est le livre que je lis le plus, de l'échec au succès. Parce que voyez-vous, sa dimension prophético-pédagogique permet véritablement de comprendre et de pousser le lecteur qui traverse des moments difficiles à comprendre qu'il y a une raison cachée derrière la souffrance qu'il traverse et elle le pousse à découvrir effectivement le potentiel divin qui est caché en lui. De l'échec au succès, Cyril, il faut le dire, écrit en 2007, hein, je l'ai écrit en 2007, ça fait pratiquement 9 ans aujourd'hui, 8 à 9 ans, est un livre que je conseil, le tout premier livre que je conseille d'ailleurs à toute personne qui est dans mon bureau et dont le visage ressemble à midi à 14h. Alors, mesdames, messieurs, prenez, je vous conseille même de prendre un stylet ou un bic parce que forcément, et une feuille, parce que forcément, vous allez apprendre pas mal de choses au travers de ce livre. Alors, mon général, nous allons donc, avec votre permission, nous incruster justement dans ce chef-d'œuvre. Il s'agit bel et bien de l'échec au succès, l'un des best-sellers de votre répertoire. Alors, mon général, vous commencez ce livre par des citations très fortes, par des phrases très fortes également. Permettez que je les lise les unes les autres. Vous avez cité 12 critères, mon général, qui vous ont permis d'écrire ce livre. Alors, le premier, vous dites qu'il n'existe pas de situation désespérée, mais uniquement des personnes qui sont devenues désespérées en présence de certaines situations. Mon général, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces phrases très fortes? Que personne n'est vaincu quand il tombe. L'homme n'est vaincu que lorsqu'il refuse de se relever. Et d'ailleurs, dans les chapitres qui vont précéder, qui vont introduire ce livre, je parlerai d'une forme de pédagogie de l'échec. L'importance de remettre et de recentraliser les gens sur l'échec. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont particulièrement insultés, vilipendés parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué dans le mariage, ils ont échoué dans, au niveau de l'école, ils ont échoué au niveau de l'église, ils ont échoué dans telle ou telle chose et on les place directement comme des rebuts de la société. Une honte pour la famille, une insulte pour la société. Mais laissez-moi vous dire,
dit qu'au travers de ce livre, j'ai fait comprendre clairement que les situations désespérées a été, sont des opportunités incroyables pour faire l'histoire dans l'histoire. C'est pour ça que à l'entame de ce livre, M. Cyril Châtelet-Wolo, j'ai pris le soin de faire comprendre aux gens que c'est un livre dangereusement merveilleux. Mmh. Mais mon général, pourquoi est-ce que vous parlez d'échec quand on sait que les chrétiens ne devraient pas conjuguer le verbe échouer? On ne devrait même pas avoir cela dans notre vocabulaire, le mot échec. Pourquoi vous commencez par de l'échec au succès? Pourquoi vous n'avez pas titré de succès en succès, par exemple? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. La raison, beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment, M. Cyril, ont eu leur vie façonnée plus par les échecs qu'ils ont traversés que par les succès qu'ils ont rencontrés. Une manière de dire qu'un succès sans échec n'est pas un succès pour vous? Et également une autre manière, effectivement, de dire que l'échec en réalité est un succès qui essaie de naître sous une autre forme. Et que tout succès véritable est le produit, la résultante, le summum de plusieurs échecs cachés et privés. Je voulais vous faire comprendre qu'arrêtons de valoriser les gens sur la base de l'échec du succès qu'ils ont eu, sans comprendre exactement les échecs par lesquels ils sont passés. Mais est-ce que vous êtes donc en train de dire, mon général, que d'une manière ou d'une autre, l'échec là vient donc de Dieu? Je suis en train de dire que Dieu lui-même, à un moment donné, a échoué. C'est pas blasphémateur, mon général. Non. Dieu a échoué. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte dans Genèse chapitre 1 et 2 que Dieu n'a jamais créé l'eau. Il n'y a aucune place dans la Bible où on dit Dieu créa l'eau. Genèse 1 et 2, regardez la création. Mais on dit que Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en bas. D'où vient l'eau? Avec la plupart des théologiens avérés, professeurs agrégés en théologie, vous ferez comprendre que la création que nous avons aujourd'hui n'est que la deuxième création. Et qui est la première création? Probablement, lorsque Satan était précipité sur la terre, il a fracassé la première création. Dieu a dû recréer. Autrement dit, lorsqu'il crée Adam et Ève, la Bible dit à son image et à sa ressemblance, mais l'homme pêche. N'est-ce pas un échec? La création parfaite de Dieu a échoué. Et Dieu va remettre sur pied un processus de récréation, de rédemption, afin de pouvoir réconcilier l'homme avec lui-même. Donc, comme pour dire M. Cyril Châtelet-Wolo, si Dieu a eu à échouer, entre parenthèses, et je dis pas le langage des hommes, parce que Dieu n'échoue jamais, mais c'est que Dieu utilise les échecs de l'homme pour pouvoir façonner quelque chose de plus glorieux. En tout cas, lorsque nous allons parcourir ce livre dans les prochaines minutes, mesdames, messieurs, vous allez découvrir qu'en page 23 du livre « De l'échec au succès » du général de Dieu, le révérend docteur Dieunodor Kamlem, il nous donne quelques astuces et quelques pensées sur l'échec et le succès. Donc, restez tout simplement connectés et vous pouvez également nous joindre, si vous le voulez bien, via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, 674-89-81-84. Alors, mon général, la deuxième caractéristique sur laquelle vous vous appuyez pour écrire ce livre est « Pour tout succès, miracle et grand accomplissement dans ce monde, un peu de folie est parfois nécessaire. » Qu'est-ce que vous entendez par folie dans cette phrase? J'essaie de faire comprendre que Dieu utilise les choses folles pour confondre ça. C'est-à-dire quoi? J'essaie de faire comprendre que parfois, le problème aujourd'hui de l'émergence de la plupart de nos pays africains, le problème de l'émergence de l'Église, le problème de la notoriété même de l'Église est dû au fait qu'on est trop rationnel, trop logique, trop simple, et que les Saintes Écritures exigent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépasser le domaine logique pour entrer dans un peu de folie. Et cette folie, il s'agit de quoi? De voir la pensée de Christ, d'oser, de risquer. Et c'est dans ce risque et dans ce fait d'oser que nous voyons le miraculeux se produire. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, avec ces phrases très fortes du général de Dieu. Et puisque nous avons le bonheur de l'avoir sur ce plateau, et il va passer cela au pain fin. Ce qui est trop grand pour que ta bouche le confesse et que ton cœur le croit sera trop grand pour que ta main le reçoive, mon général. Bah, il faut dire simplement, M. Cyril Châtelet-Wolo, que ta vie prendra la direction que ta bouche donne. Si tu n'es pas capable de déclarer que tu seras béni, tu ne peux pas être béni. Parce que Dieu ne peut exécuter que ce que ta bouche dit. Et c'est très important. Cette femme atteinte à la perte de sang, c'est parce qu'elle a dit que si je touche le bord de son vêtement, elle serait guérie, qu'elle était guérie. Connais-tu le nombre de personnes qui touchaient le bord du vêtement de Jésus mais n'étaient pas guéries? Mais cette femme a déclaré quelque chose et elle a vu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque les à manger le fruit. Mon général, si on marquait un temps, soit pour une petite pause, pour vous demander, mais d'où vous vient toute cette intelligence, d'où vous vient cette révélation que vous avez bien voulu retranscrire au travers de ce livre? Parce qu'on se rend compte que vous dites des choses très fortes,
très, 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 très puissante également. Mais il faut dire, M. Cyril Châtelet-Wolo, que lorsque j'écris ce livre, c'est le produit de 6 années de bataille spirituelle. Tu es un miracle potentiel. Non, de l'échec au succès. De l'échec au succès, oui. Exactement. C'est le produit parce que c'est en fait le deuxième livre que j'écris. Il y a de cela 8 ans de cela. Ah bon. Donc, lorsque je l'écris, c'est 2 ans après avoir écrit « Tu es miracle potentiel » qui a fait un raz de marée. Donc, lorsque « Tu es miracle potentiel » est sorti, les gens disent « Mais c'est vrai ce que tu dis. » Mais le constat est là, prophète de Dieu. C'est que nous nous rendons compte qu'il y a tellement d'échecs dans nos vies et on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, Dieu me met à cœur, après plusieurs recherches, en ce moment, j'étais en train de préparer mon master en théologie parce que je venais d'avoir ma licence, et Dieu me met à cœur de mettre sur pied un document qui va permettre, en fait, pas un document, que dis-je, une bombe spirituelle qui motivait le peuple de Dieu et lui fait comprendre que ce n'est pas parce que tu as traversé des moments difficiles que tu es une personne difficile. En fait, tu n'es pas une erreur, mais la correction d'une erreur. Mesdames, messieurs, vous nous regardez, vous faites bien de l'échec au succès. C'est un livre commis par le général de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Kamwelenga. Un livre d'ailleurs disponible dans les librairies chrétiennes et bien sûr dans toutes les églises et cathédrales de la foi, sans oublier qu'il est également disponible dans les radios Dunamis FM et Canodi TV. Nous en parlons vers la fin de ce programme. On va également préciser que ce livre retrace, n'est-ce pas, la vie de ceux qui veulent expérimenter le succès. Et nous vous le conseillons vivement. Tu peux reprendre, tu ne peux reprendre que par la force ce que Dieu t'a volé. Vous incitez les gens à la révolte, à la rébellion, à la brutalité, mon général? Non, ce que nous essayons de dire, M. Cyril Châtelet-Wolo, c'est que la vie ne te donnera jamais ce que tu désires. Mais la vie te donnera uniquement ce que tu exiges. Et ça, c'est très important. Parce que je suis choqué par la quantité extra-minimale de sagesse et d'intelligence déployée par le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous sommes choqués également de savoir que, en fait, le livre de l'échec au succès est clair. Fait comprendre aux gens qui ne sont pas une erreur. Les amener à expérimenter le potentiel divin et à oser des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. C'est ce que nous voulons faire comprendre. Tout miracle qui prend du temps à arriver prendra du temps à être oublié. Est-ce que c'est vérifié, mon général? Ah ben bien sûr. Lorsque vous parlez aujourd'hui des hommes comme Sarah qui ont eu un enfant à 90 ans, tout le monde en parle. Quand on parle aujourd'hui de Jacob qui était bébé, tout le monde en parle. Parce que ce qui tarde à arriver, t'as de être oublié. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, lorsqu'un homme et une femme, après 9 mois de mariage, ont un enfant, ce n'est pas la fête, une si grande fête que ça. Mais si après 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant, et qu'à la 15e année, il y a un enfant, mais c'est tout le village qui va se rassembler. Vous voyez, vous, il y a des choses qui tardent à arriver, mais ce sont des choses qui tarderont à être oubliées. C'est la raison pour laquelle, au travers de ce livre, j'essaie de faire comprendre à la page 19 que l'invention la plus tragique au milieu des chrétiens aujourd'hui, c'est l'invention des excuses. Parce que beaucoup de gens passent la moitié de leur vie à désirer faire quelque chose et l'autre moitié à expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à faire la chose qu'ils voulaient faire à la première moitié de leur vie. Nous voulons pousser le peuple de Dieu à une rébellion, une sainte rébellion, à une sainte révolte, à partir d'eux-mêmes, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas nés pour accompagner les autres, qu'ils ne sont pas les frères jumeaux de la malchance ou de l'échec, mais que Dieu a placé en eux quelque chose qui est supposé de changer le cours de l'histoire. Vous écoutez les paroles fortes du général, ces paroles qui lui ont permis d'écrire ce livre, et la sixième que vous détaillez ici, mon général, jusqu'à ce que ta foi finisse, rien n'est fini dans ta vie. Une façon de dire que Dieu est capable de continuer à opérer dans la vie de n'importe quelle personne tant qu'il y a la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, quel que soit ce que tu traverses, garde la foi. Et la foi te permet de rêver et d'avancer. Lorsque tu as la foi, personne ne peut te battre. On ne bat jamais celui qui a la foi. D'ailleurs, il y a 2 gens, 2 espèces sur la terre et dans l'univers pour qui rien n'est impossible. Le premier, c'est Dieu. Tout est possible pour Dieu. Le deuxième, c'est le croyant qui croit. Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, à celui qui a la foi. Et lorsqu'on va à la 8e phrase, une phrase très révélatrice, on ne règne que sur ce qu'on a combattu et vaincu. Ah ben oui. La vérité est claire, M. Cyril Châtelet-Wolo. Le véritable règne est sur la base d'une victoire. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui, d'une manière ou d'une autre, assoient le règne sur la base du fait que légalement, ils ont vaincu d'autres personnes au niveau des élections présidentielles. On ne peut régner que ce qu'on a vaincu et qu'on a combattu. Et c'est ça qui donne un sens à ton règne, à la royauté, à la manifestation du règne de Dieu dans ta vie. 10e caractère, 3 choses qui œuvrent obligatoirement, qui ouvrent obligatoirement les cieux sur la vie d'un homme.
vous dites, mon général, je cite, la prière désespérée, l'obéissance radicale, l'offrande saignante. Ah, c'est très important. J'ai découvert en étudiant les Écritures et j'ai lu la Bible plus de 80 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu la Bible en grec, en hébreu et en araméen. Et je puis vous rassurer que j'ai découvert que les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à changer l'histoire de leur génération sont des personnes qui ont eu le ciel souvi au-dessus de leur tête. Même Jésus, le Fils de Dieu, jusqu'à l'âge de 30 ans, avait le ciel fermé sur sa tête et était incapable d'opérer n'importe quel miracle. C'est quand le ciel s'est ouvert que son histoire a changé. Je suis en train de faire comprendre qu'il y a trois choses qui ouvrent le ciel. Un, les prières désespérées. Luc le dit clairement, quand Jean l'a plongé dans l'eau, il s'est levé, il a prié, une prière désespérée et désespérante. Deuxièmement, l'obéissance radicale. Et troisièmement, l'offrande saignante, ou ce que j'appelle l'offrande sacrificielle. Ces trois choses, Cyril, incontestablement, ouvrent le ciel sur la vie de n'importe quelle personne. L'avant-dernière caractéristique, mon général, vous êtes encore plus poignant parce qu'on aimerait bien savoir ce que vous avez voulu dire par là. L'homme le plus pauvre n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais vous dites, mon général, que l'homme le plus pauvre est celui qui n'a pas de vision. Ah ben oui, parce que c'est la vision qui détermine la richesse de la personne. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont pauvres parce que la pauvreté n'est pas l'absence d'argent. La pauvreté véritable, c'est l'absence de vision. Lorsque vous n'avez pas un avenir, une vision, c'est quoi? C'est un avenir préférable, souhaitable. Quand vous êtes incapable de dire où vous allez, ce que vous voulez faire de votre vie, vous êtes pauvre. Et j'essaie au travers de ce livre de faire comprendre aujourd'hui que l'Afrique est appelée tiers-mondiste parce que nous sommes en manque de vision. Un leadership qui n'a pas de vision établit la pauvreté. Voyez-vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, 51% des richesses du monde se retrouvent en Afrique, mais l'Afrique est considérée comme l'un des continents les plus pauvres du monde. Pourquoi? Manque de vision des leaders. Alors, mon général, pour finir, ce qui vous introduit dans l'écriture de ce livre, vous dites, une vie passée à faire des erreurs est plus utile et plus bénéfique qu'une vie passée à ne rien faire. Et servir un grand Dieu et rester petit revient à servir un petit Dieu. Cette douzième révélation qui me permettait d'introduire de l'échec au succès, ce best-seller, introduit le chapitre 1 et chapitre 2 de ce livre, M. Cyril Châtelet-Wolo, où je parle de quelques pensées sur l'échec et de quelle attitude nous devons avoir face à l'échec. Parce que voyez-vous, et notez cette phrase, M. Cyril, une brique parfaite a moins de valeur qu'un diamant rempli de défauts. Je peux reprendre? Oui. Une brique parfaite a moins de valeur qu'un diamant rempli de défauts. Comme pour dire que ce n'est pas parce que j'ai fait des échecs dans ma vie que je suis un échec. Ou bien que j'ai moins de valeur que celui qui n'ose pas. La brique de terre parfaite n'aura jamais la valeur qu'un diamant plein de défauts a. Comme pour dire, n'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de risquer. Le diamant qui est en toi un jour sortira. Alors, mon général, on se rend également compte que vous avez mis, bien sûr, vos connaissances et vos compétences intellectuelles en valeur lorsqu'on lit de bout en bout ce livre. Et lorsqu'on se retrouve à la page 23, vous revenez donc maintenant sur quelques pensées sur l'échec et le succès. Je voudrais d'abord vous citer, entre autres, des sagesses chinoises. Vous citez par exemple le maréchal Foch qui disait « Accepter l'idée d'une défaite, c'est déjà être vaincu. » Oui, continuez. Il y en a plusieurs, monsieur. Oui, et lorsqu'on poursuit, oui. C'est facile de porter la responsabilité de ses échecs sur les autres, ça ne sert à rien. J'aimerais que vous lisez 10 au choix comme ça, là, oui. En citant le nom de ces personnes pour que je puisse faire oui. Bien sûr, vous avez par exemple cité Abraham Lincoln, oui. Que nous connaissons très bien. Ce que je veux savoir avant tout, c'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. Ça, c'est fort. Ça, c'est Abraham Lincoln qui oui. le dit. Troisièmement, Tournam Capote dit, l'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. Donc, l'échec est un peu comme le sel, le condiment qui donne le goût à la sauce, bien sûr. Et là, c'est un proverbe chinois de Lao Tzu qui dit, l'échec est le fondement de la réussite. Et c'est sur cette base que la plupart des scientifiques ont découvert. Les plus grands scientifiques ont bouleversé le monde de la science et la technoscience sur la base des échecs qu'ils ont eus. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. Mais est-ce que là, vous ne frustrez donc pas ceux qui n'ont jamais expérimenté l'échec, mon général? Ceux qui n'ont jamais expérimenté l'échec ne sont pas vivants. On doit les tuer. Ce sont des Boko Haram.
Parce que l'échec qui te donne de pouvoir avoir un succès véritable. Prenons. Allons-y. Oui, prenons un cas. Prenons juste un cas. C'est une parenthèse. Oui. Le fils d'un président qui a grandi dans l'opulence. Et quel genre d'échec? Il est allé dans les grandes universités, il a eu les plus belles voitures, il a dormi dans les plus beaux hôtels. Bref, il n'a jamais expérimenté l'échec au vrai sens du terme. Ou alors, mais alors, de quel échec parlons-nous? À vous entendre parler, j'ai l'impression que, comme le commun des mortels, vous ne savez pas que l'argent permet d'être malheureux dans la luxure. L'argent n'est pas le problème. Et si le fils d'un chef d'État vous entend là, il va se moquer de vous. C'est ce qu'il a en train de rire, même là, si Brenda ou n'importe qui vous entend là, ils vont crier. Parce que je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Dernièrement, je lisais que pour aller même, ne serait-ce que dans une surprise partie, il y a des gardes du corps. Ils ne jugent pas du fait d'arranger, d'acheter une pommade, une pomme de France. Et de pouvoir, les libertés sont bloquées. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'il y a toujours 3, 4, 5 personnes. Même pour aller aux toilettes, ce n'est pas facile, monsieur Cyril Châtelet-Wolo. Mais ces chefs de fils de président sont plus malheureux que les fils du pousseur qui sont de l'autre côté. Et vous citez mon général à la page 25. Oui. C'est John Maxwell qui le dit. Je l'aime beaucoup. Oui. L'échec est une grande occasion de recommencer d'une façon plus intelligente. Sixième citation. L'échec n'est rien d'autre que le succès qui essaye de naître sous forme plus grandiose. Septième citation. La défaite... Tournez la page. Tournez la page. Tournant la page. Il y a 57 citations. Ah oui, il y en a justement 57. Oui. Alors, si on prend la citation de Cathy Ruiz, oui. Les échecs servent de répétition au succès. Ah ben ça c'est très fort, monsieur Cyril. Alors, huitième, n'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Ah, beaucoup de personnes se sont arrêtées à un pas de leur réussite. Une façon de dire que c'est quand vous êtes parti qu'on vous a dit que la somme que vous avez attendue pendant 4 heures de temps est arrivée. Oui, et c'est ça le constat. Ça arrive. Oui. Neuvième ou avant-dernier. Alors, on ne peut apprendre de ses échecs et aussi de ceux des autres. Oui, ça c'est Hervé Desbois. Oui, et Hervé Desbois qui revient. On peut apprendre de... plutôt Denis Wedley. Oui. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage qui te prépare à ton prochain succès. Monsieur Cyril Châtelet-Wedley. 57 citations de 57 personnes qui ont marqué l'histoire. Je crois que les auditeurs devraient déjà courir acheter mon général. Ça, avec tout ceci, nous je ne sommes qu'au premier chapitre. Nous ne sommes qu'au premier chapitre. Parce que rien que ces citations-là boostent même déjà votre mental. Ah, mais je vous vois. Je vous vois déjà révolutionnaire. Oui, bien sûr, mon général. De ça. Ça, il faut le dire. Et c'est ça qui se passe. Donc, nous voulons ici... Je voulais d'abord citer des gens qui ont réussi et que les médias... La télévision et la radio ne nous parlent pas des paroles aussi sérieuses. Et il faut le préciser, c'est des personnes qui ne sortent pas d'une autre planète. C'est des personnes que nous connaissons et nous pouvons même d'ailleurs fouiller dans leur passé, dans leur vie, pour découvrir que effectivement ce qu'ils ont dit est vrai, fondé. Alors, à la page 29, mon général... Deuxième chapitre. C'est peut-être le chapitre le plus intéressant. Ah bon? Parce que là, vous nous donnez la conduite à tenir face à l'échec. Et vous savez, mon général, ils sont nombreux qui baissent les bras, qui abandonnent, qui laissent tomber lorsqu'ils ont expérimenté un échec quelconque. Mmh. Alors, vous nous donnez... le chapitre 2 a pour titre « Face à l'échec ». Alors, mon général, voici... une citation de Michael Jordan. Et c'est là où vous m'avez gagné. Peut-être je ne vous l'ai jamais dit. Lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, Michael Jordan dit, vous citez, « J'ai raté plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 jeux. 26 fois j'ai été choisi pour la balle de match et j'ai raté. J'ai échoué tellement et tant de fois dans ma vie et c'est pour ça que j'ai réussi. » C'est Michael Jordan qui, vous le dites, est certainement le plus grand basketteur de tous les temps. Ce n'est pas moi qui le dites. Ah ben, Forbes et la plupart des grands magasins dans le monde, quand on parle du milieu footballistique, on parlait Michael Jordan et comme le Pelé hein, du basket. Zidane, le Maradona. Non, Pelé, quand on parle de Pelé, on ne sait pas Maradona, c'est pas Zidane, monsieur Cyril Châtelet-Wolo. Bon, la seule personne que je dis entre les battre les corps, c'est Lionel Messi. Quand je parle de Michael Jordan, en matière, les gens qui vont essayer de côtoyer Michael Jordan, c'est les Magic Johnson, c'est autre personne. Donc cet homme dit qu'il a tellement échoué, c'est pour ça qu'il a réussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'au verset, au chapitre, dans le même chapitre, et ça je cite, j'ai dit il existe un trait commun à la vie des personnes exceptionnelles. Elles sont menacées, persécutées, abattues et pendant des années même sont stagnantes. Mais chaque fois qu'elles tombent, elles se relèvent toujours. Vous ne pouvez pas détruire de telles personnes. J'ai dit, M. Cyril Châtelet-Wolo,
qu'il y a une attitude qu'il faut développer face à l'échec. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est que quand ils tombent, ils refusent de se relever. Or, quand tu tombes, relève-toi avec un caillou pour mieux viser ton ennemi. Quand tu tombes, assure-toi qu'en te relevant, tu as quelque chose entre tes mains qui va te donner une victoire intéressante. Parce que voyez-vous, face à l'échec, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un état d'esprit qu'il faut développer qui te permet d'entrer dans la gloire. Et dans ce deuxième chapitre, mon général, vous vous fustigez, vous semblez vous fustiger contre ceux-là qui accusent toujours les autres de leur avoir fait échouer. C'est pour cette raison que vous citez John Mason qui dit « Tu peux chuter plusieurs fois sans être un échec jusqu'au moment où tu dises que c'est quelqu'un d'autre qui t'a poussé. » Ah, c'est très important. Parce que personne ne va être responsable. Responsable. On est toujours dit que c'est à cause de tel que je n'ai pas fréquenté, c'est à cause de tel que je ne suis pas marié, c'est à cause de tel que ceci n'avance pas. Mais c'est là que tu es un échec. C'est pour ça d'ailleurs que je cite la parole de Richard Nixon, le président Richard Nixon, qui est l'un des plus grands présidents des États-Unis, qui disait un homme n'est pas fini quand il est vaincu, mais il est simplement fini quand il abandonne. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre 2, M. Cyril Chatewolo, je parle d'une histoire qui s'est passée au 18e siècle avec lors du Congrès. Conseil apostolique de la congrégation baptiste des États-Unis, où un diacre s'est levé et il a dit que très bientôt il rêve de voir les gens se déplacer dans les airs et voler dans les airs. Et Bishop Wright, qui était l'un des évêques sur place, a dit insensé, stupidité, blasphème. Si Dieu voulait que les gens se déplacent dans les airs, il leur aurait donné les ailes. Et bien, quelques années plus tard, le 17 décembre 1901, et bien les deux fils du Bishop Wright, qui avait dit c'est impossible de se déplacer dans les airs, Evie Wright et Wilbur Wright vont à 4 reprises de suite faire le premier vol dans l'histoire de l'humanité, les créateurs de l'avion. C'est ce que le père avait dit impossible. 20 ans plus tard, ils se sont levés pour rendre cela possible. Comme pour dire, même si tes parents ne croient pas que tu peux réussir, tu peux te lever et défier la fatalité par une foi incroyable. Et au travers de ce livre, je booste cette foi pour amener les gens à comprendre tout n'est pas fini dans ta vie. Et vous fermez ce chapitre 2 de ce livre, de l'échec au succès, avec cette citation de Richard Nixon qui écrit, vous le citez, « Un homme n'est pas fini quand il est vaincu, il est fini quand il abandonne. » Une manière de dire aux uns aux autres, ceux-là qui nous regardent, avec plaisir et délectation d'ailleurs, qu'il n'est jamais bon d'abandonner car juste après pourra venir le succès. Exactement. Et cette phrase, cette citation de Richard Nixon nous introduit donc au troisième chapitre. Mon général, quand l'échec devient un succès, c'est comme ça que vous avez intitulé ce troisième chapitre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous êtes en train de dire qu'il y en a qui ont transformé l'échec en succès? Oui, ce que je voudrais dire, M. Cyril Chatewolo, c'est que je me lève d'abord contre le système pédagogique actuel. La plupart des écoles du leadership, du management et de toutes les créations d'entreprises, le monde de la high-tech et du développement personnel, tel que développé par Dal Carnegie et toutes les structures que nous avons en psychologie et en somatique aujourd'hui, pour moi, je me lève particulièrement contre ça parce que le constat est clair. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des sciences humaines ou des sciences sociales, il n'y a pas en réalité une véritable pédagogie de l'échec. Il n'y a pas une éducation sur l'échec. Or, est-ce que c'est nécessaire d'enseigner la pédagogie de l'échec? Ah ben c'est capital quand vous constatez que 80% des décisions, des attitudes et du comportement humain sont basées sur les échecs qu'ils ont traversés et non sur les succès. Mais en tant que chrétien, est-ce que nous servons un Dieu d'échecs? Non, mais justement, en tant que chrétien, nous vivons des échecs. Et il faut, c'est la manière de gérer les échecs qui nous permet de pouvoir avoir un succès retentissant. Quelqu'un pourrait vous demander, mon général, mais qui s'occupe des échecs? C'est Dieu qui s'occupe de nos échecs et non nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous n'abandonnons jamais de nos échecs. Vous savez, j'aime beaucoup cette parole d'Alain Foucault dans sa célèbre émission à RFI sur Média d'Afrique, qui dit que un peuple sans histoire est un peuple sans âme, est un peuple, une nation sans âme, et que ceux qui
ne veulent pas se rappeler de l'histoire, des échecs du passé, sont obligés de les répéter. Je paraphrase comme ça la parole à Alain Foucault, vous devez m'excuser, parce que vous l'avez fait de coup, simplement pour dire, M. Cyril Châtelet-Wolo, que nous sommes dans un environnement dans lequel aujourd'hui, nos vies sont plus façonnées par les échecs que par le succès. Beaucoup de gens entrent dans le mariage en pensant que sa vie, c'est les pétales de rose, c'est la lune de miel, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'après la lune de miel, une semaine, deux semaines, ils font face au véritable moi de la personne qu'ils viennent d'épouser et qui passeront 40 à 50 années de leur vie à vivre cette personne qui automatiquement a un background différent de lui. Et il faut gérer cela. Comment gérer l'échec? Je voudrais vous dire que le succès véritable vient dans la capacité à savoir gérer l'échec qu'on rencontre tous les jours. Vous êtes en train de le confirmer même à la page 38 de ce livre. Il est en revanche indispensable de parler de l'échec dû à la volonté d'innover, d'entreprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire, mon général, qu'il faudra introduire cela comme module dans nos instituts de management et de leadership? Je plaide, M. Cyril Châtelet-Wolo, de la même manière que Guy Renaud de Lucas, de la même manière que Daniel Brousseau, fondateur et président de Logitech, qui est l'une des plus grandes structures, que je cite d'ailleurs dans mon livre dans lequel il dit « Raison pour laquelle je préférerais me lancer dans sept projets, quitte à en rater trois, que de tout louper par chance en ayant misé sur un seul projet. » Ça, c'est, je cite bien Daniel Borel, co-fondateur et président de Logitech, qui cite ses paroles dans son livre. Dans ce livre. D'ailleurs, M. Cyril Châtelet-Wolo, je vais citer encore James Rushton, qui du monde high-tech, qui dit dans notre secteur, si on n'innove pas constamment, si on n'a pas le courage de prendre les risques, on disparaît. Je parle du monde du high-tech. Comme pour dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens comme Bill Gates, vous voyez des gens comme tous ces gens qui ont révolutionné le monde de la technique et du high-tech, ce sont des gens qui ont, vous ne connaissez pas le nombre de produits qui sont mis sur le marché, même par l'organisateur de Facebook. Comment on appelle encore ce Mac Windows. Non, celui qui est le créateur de Facebook. Mark, son nom m'échappe, il a le nom Zundeng, quelque chose comme ça, en tout cas, son nom m'échappe. Et vous savez pas le nombre de produits qu'on met et puis on retire parce que ça ne marche pas. La plupart des fusions qu'on essaie de faire, Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, c'est ce qui réussit qu'on nous présente. Mais vous ne savez pas le nombre de produits qu'ils mettent en œuvre et qui ne marchent pas. Donc nous devons enseigner aux gens aujourd'hui que le fait d'avoir échoué ne fait pas de toi un échec. Le fait d'avoir essayé, ça va marcher, tu ne dois pas baisser les bras. Nous devons encourager les jeunes aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait dans ce chapitre. Cela tombe même bien puisque nous avons un livre pédagogique, parce que là, il devient un livre pédagogique, de l'échec au succès. Quel est donc le conseil que vous donnez? Moi, mon général, je connais particulièrement une jeune fille qui a fait le probatoire 6 fois. Elle a raté et elle a abandonné. Quel est le conseil? Il y en a qui expérimentent des échecs et qui abandonnent. Il y en a qui sont allés en mariage 1-2 fois, ça n'a pas marché. Elles ont abandonné et ont même pris la décision de ne plus aller en mariage. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ce livre donne comme conseil à tous ceux qui ont abandonné jusqu'à ce moment? C'est la raison pour laquelle, avant même que je ne finisse de parler, les gens doivent rapidement appeler pour recommander le livre. Parce que voyez-vous, la quantité, nous ne faisons qu'au produit, mais nous n'avons pas assez pour continuer à produire. Je dirais exactement ce que Lady Churchill a dit à Winston Churchill, son mari, en juin 1945, à la veille de la défaite que Winston Churchill, son mari, a subie lors des élections en Grande-Bretagne. Elle lui dira à son mari, il s'agit d'une bénédiction déguisée. Qu'est-ce que j'ai dit? Il s'agit d'une bénédiction déguisée. Parole de Lady Churchill à son mari, à la veille de sa cuisante défaite lors des élections au niveau. Et plus tard, le temps et l'histoire lui donnera raison. Car lorsque Winston Churchill, après cette bénédiction déguisée, les peuples britanniques vont exiger que les conservateurs reprennent le pouvoir, place aux libéraux, aux travaillistes. C'est ainsi que Winston Churchill va briguer et remporter et va faire le fameux discours britannique pour dire, par rapport à la menace nazie, je n'ai que I have blood to give to you. Je n'ai que du sang à vous proposer. Et c'est lui qui sera le véritable vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme de toute petite taille que Billy Graham devra rencontrer plus tard et qui va entrer dans l'histoire simplement parce qu'il a eu le courage de comprendre que l'échec
était une bénédiction déguisée. Le même message, je le transmets à tous ceux qui me regardent. Mesdames, Messieurs, ce livre est disponible dans toutes les églises cathédrales de la foi. Vous pouvez tout simplement nous contacter tout de suite et maintenant via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, 674 89 81 84, de l'échec au succès. C'est un best-seller du général de Dieu, le révérend docteur Dieunodor Kamlemlung. Alors, mon général, cela nous permet de nous rendre directement vers le chapitre 4 de cet ouvrage. Et nous sommes là à la page 147. Je rappelle que ce livre a au total 150 pages, 170 pages, oui. Mais là nous sommes à la page 47. Alors, et le chapitre 4e est intitulé « Quand Dieu est pris en otage ». Mais mon général, qui peut avoir ce courage-là de prendre Dieu en otage? Jacob. Jacob? Eh ben oui. Genèse chapitre 32, Jacob a eu le dans sa ruse, dans sa ruse. Non, pas dans sa ruse. Voyez-vous, à un moment, il est en train de fuir son frère. Et la Bible dit, un ange, l'ange de l'Éternel, est descendu pour lutter avec lui. Et Dieu lutta. Et puis l'ange lui dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et Jacob va dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Mm-hmm. Et là, à ce moment, Dieu était pris en otage. Voyez-vous, Jacob est le tout premier humain à avoir mis Dieu en prison. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et j'essaie de faire comprendre. D'ailleurs, vous pourrez lire, s'il vous plaît, la première phrase de citation de A.W. Tozer que j'ai dit par rapport à ce chapitre, qui dit effectivement quelque chose de très fort. Ta doctrine peut être différente de la mienne. Oui. Mais si cela te rapproche le plus que la mienne, de Dieu que la mienne, alors montre-moi juste comment tu as fait pour en arriver là. Ah, c'est aussi simple que bonjour. Mm-hmm. Arrêtons de discuter sur telle doctrine et ceci, pas ceci. Si ça t'a rapproché de Dieu, ça t'a permis d'avoir ce que tu voulais et que l'Éternel t'a béni. Montre-moi seulement là où comment tu as fait pour arriver. Et à vous de dire, cette citation est de vous, mon général. Oui. Seul un homme fou peut sauver ce monde fou. Ah, et c'est clair et net, M. Cyril Châtelet-Wolo. À un moment où nous parlons de l'homosexualité, ou d'ailleurs l'autre jour, ça vous rappelait que samedi passé, un homme a épousé sa voiture. Sa voiture, il a, au point de donner, dit que c'est, il est légalement marié, l'autre faisait son chien, ainsi de suite. Donc nous vivons dans un monde fou. Et il faut un homme fou de Dieu pour le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la page 49, j'ai dit, quand un homme décide de se séparer du commun pour chercher la face de Dieu, sachez que l'histoire est sur le point d'être réécrite. Authentique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont à l'église pour chercher les miracles. Mais très peu veulent se mettre à part. Veulent se séparer du commun des mortels pour dire, Seigneur, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Alors, c'est un conseil que vous donnez dans ce chapitre 4e. C'est un conseil que vous donnez au lecteur de prendre Dieu en otage. Je leur donne le conseil que William Carey, le héros de Dieu, a dit clairement. Attendez des grandes choses de Dieu. Entreprenez des grandes choses pour Dieu. Mais puisque les bénédictions sont multiformes, il y a la bénédiction de la voiture, la bénédiction du mariage, la bénédiction d'un emploi, la bénédiction du voyage, la bénédiction de l'enfant. Mais est-ce qu'il faut prendre Dieu en otage pour avoir toutes ces bénédictions? Ou alors il faut spécifier le domaine dans lequel on veut être béni et prendre Dieu en otage dans ce domaine-là? Nous allons revenir sur ça. Mais laissez-moi vous dire, M. Cyril Châtelet-Wolo, que la vérité est que lorsqu'on vient vers Dieu, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que Dieu il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes dans ce passage. C'est que premièrement, on ne doit pas chercher les biens de ce monde. Et ça, je suis d'accord avec les prédicateurs qui passent le temps à dire que non, arrêtez de chercher mariage, enfant, machin. D'accord, cherchons Dieu. Mais le deuxième problème qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que les gens cherchent Dieu, ils n'ont pas mariage, enfant, voiture, villa et tout le reste? Ah, c'est le deuxième problème qui arrive. Parce que Dieu dit que si je le cherche et je le mets en premier lieu, les autres vont me suivre. Pasteur de la sainteté, pasteur qui prêche et qui dit aux gens, arrêtez d'aller recevez. Toi qui ne dis pas recevez, pourquoi les gens à qui tu enseignes le royaume de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas l'abondance de Dieu? Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta théologie, et il y a un problème dans ton enseignement. Fernand Legrand, qui est décédé il y a quelques années, mon général, et c'était un grand prédicateur de la parole de Dieu, vous l'introduisez donc dans le 5e chapitre où vous avez intitulé « Le besoin des héros ». Voici ce que Fernand Legrand dit et que vous avez cité. « La tragédie de la vie n'est pas d'avoir reçu un seul talent, mais de ne l'avoir pas investi. »
aïe, 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 ça fait mal, mon général. Ah, bon. Et ça, c'est une grande tragédie. Quand on sait combien de personnes ont les talents ici dehors, mais qui ne connaissent pas où l'investir. Et c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre, M. Cyril Châtelet-Wolo, que nous avons besoin aujourd'hui, au travers de ce chapitre, de pousser les gens à expérimenter la grâce, à expérimenter la faveur et à pouvoir comprendre qu'ils ont en chacun d'entre eux, personne n'est né pour souffrir. Dieu a donné à chacun le potentiel nécessaire pour réussir sa vie. Ne n'enterre pas ton talent. Au travers de ce livre, dans ce chapitre, je te montre comment réveiller ce héros et comment utiliser ton talent pour entrer dans l'histoire. Et vous avez même défini dans ce livre de l'échec au succès ce que c'est qu'un héros. Vous dites, mon général, un héros est une personne ou une femme qui, ayant connu le Seigneur, donc pour vous, un héros connaît d'abord le Seigneur. C'est très important. De manière unique, s'est engagé à laisser sur terre des marques indélébiles de son passage. C'est une personne par qui Dieu fait des exploits et qui, de croissante, laisse la seigneurie de Christ se déployer dans son entourage. C'est ça pour vous un héros. Parce qu'il faut dire que le livre d'abord est un livre spirituel. C'est vrai qu'en citant tous ces gens, les gens ont l'impression qu'il s'agit d'un livre de management, de leadership et de improvement of self-person. Mais il s'agit essentiellement d'un livre qui concerne Dieu. Parce que l'homme est la créature de Dieu. Comme je le disais dans le tout récent livre, personne ne peut développer son véritable potentiel sans faire référence à sa source. Et la source de l'homme, c'est la divinité qui est libérée à l'intérieur de lui afin qu'il manifeste sa félicité. Dans le chapitre 6, mon général, c'est par une histoire biblique que nous connaissons tous. Il s'agit bel et bien de l'histoire de Samson et Dalila que vous commencez ce chapitre et vous intitulez le chapitre « Le géant au pied d'argile ». Samson était-il le géant au pied d'argile? Il faut dire que Samson est bien sûr le géant au pied d'argile, M. Cyril Châtelet-Wolo. Un homme qui portait tant de choses, tant de grâce, tant de sens, tant de force, mais qui finit par mourir comme un nobody. Véritablement, c'est un géant au pied d'argile. Un peu comme le pentecôtisme aujourd'hui. Ah bon? Effectivement. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Alors, mon général... Nous sommes à quelle page là? Nous sommes justement à la page 61 pour ceux qui sont avec nous et qui voudront bien acheter ce livre, mesdames, messieurs. J'ai l'impression qu'on risque de ne pas finir tous ces chapitres. De l'échec au succès. De l'échec au succès, c'est un best-seller du général de Dieu, le révérend docteur Dieunodor Kamdem Nunga. Et lorsque nous allons même au chapitre 7, mon général, vous donnez certains conseils, parce que les gens traversent des obstacles, mais malheureusement, ils ne connaissent pas, nous sommes à la page 71, mais malheureusement, ils ne connaissent pas à quoi s'en tenir, ils ne connaissent pas comment faire face aux obstacles, mon général. Il faut dire que c'est un livre pédagogique aussi. Vous avez fait un peu de pédagogie, mon général. Je suis docteur en sociologie. Vous êtes d'ailleurs le président du FBI, la Fête Bible Institute qui se retrouve tous les samedis. Pourquoi vous comprenez ce que je vais dire? J'aimerais pour nos lecteurs que vous me lisiez exceptionnellement, essentiellement, le chapitre page 74. Lisez-moi un peu. Comment ça lit à partir du début? Si la situation dans laquelle tu te trouves ne te satisfait pas, crée une autre, car Dieu veut utiliser tes échecs et tes difficultés pour produire ta félicité. Je prophétise qu'avant de finir de lire ce livre, un miracle serait apparu dans ta vie au nom de Jésus. C'est ainsi que j'affirme sans l'ombre d'aucun doute que la façon dont nous réagissons en présence des échecs et erreurs est l'une des décisions les plus importantes de nos vies. L'échec ne veut pas dire que rien n'a été accompli. Continue, M. Cyril, c'est fort. En continuant, l'échec est toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose d'autre. Les hommes qui ont vraiment réussi sont ceux qui ont réussi. Les hommes qui ont vraiment réussi sont ceux qui ont réussi, sont ceux qui ont essuyé le plus d'échecs. Car ceux qui ne s'attendent à rien ne sont jamais déçus et ceux qui n'essayent jamais n'échouent jamais. Tout véritable succès est une tentative d'échec. Quoi? Tout véritable succès est une tentative d'échec. Aïe! Continue! Winston Churchill affirmait, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Dieu ne nous voit jamais comme des échecs, mais comme des apprentis à l'école du succès. Et en fait, on échoue en réalité que lorsqu'on n'apprend rien de l'expérience traversée. Et Henry Ford déclara, même une faute peut finalement devenir la chose capitale nécessaire pour un accomplissement. Les roses d'opportunité sont entourées d'épines d'opposition. Arrêtez là, monsieur. Je pense qu'on peut m'arrêter. Parce que rien que ça nous permet... T'as dit, les gens doivent seulement courir pour acheter ce livre, monsieur Cyril Châtelet-Wolo. Mais c'est fort. Henry Ford, c'est celui qui a créé la Ford Motor Company. Ah oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit?
c'est Henry Ford. Ah, parce qu'on voit seulement les voitures Ford, les voitures Ford. Mais on ne comprend pas le génie caché derrière cet homme. Il dit, même une faute peut finalement devenir une chose capitale nécessaire pour un accomplissement. Les roses d'opportunité sont entourées d'épines d'opposition. Allons au chapitre suivant. Parce que si on continue comme ça, j'ai l'impression que les gens vont acheter plutôt le CD et suivre au lieu d'acheter le livre. Oui, et le chapitre suivant, mon général, c'est, ça fait mal. Ça fait mal parce que à côté de nous, vous les appelez dans ce chapitre les tueurs de destinée. Ah oui. Les tueurs de destinée. C'est-à-dire les épines, justement, comme le disait Ford, les épines qui rôdent autour de nous, mon général. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, voyez-vous, essentiellement au Cameroun, en Afrique subsaharienne. Vous dites que c'est le pays de crabologie. De crabologie. Il y a toujours des gens, tu ne sais pas, tu souris, ça leur énerve. Mais ils sont là nombreux. Il y a des gens qui, leur bonheur, c'est de faire souffrir les autres. On les appelle les tueurs de destinée. Et j'en parle dans ce livre. Comment reconnaître les tueurs de destinée? Qui sont-ils? Comment les attraper? Eh bien, c'est dans ce livre. Et compte tenu du temps, mon général, vous avez achevé ce livre par une conclusion fantastique. Il y a quelque chose que j'aurais aimé que vous parliez avant conclusion. Parce qu'il faut inciter les auditeurs à acheter ce livre. Vibration sans puissance. Ah oui. Page 97. Parce que, et quand vous parlez de vibration sans puissance, mon général, vous dites, et là c'est un anonyme, vous n'avez pas voulu le citer, Jésus n'a jamais dit que les choses seront faciles. Et ça c'est vrai, contrairement à ce que plusieurs pensent. Mais il a dit que tout sera possible pour celui qui croit. Toute œuvre humaine a des ratés. Dieu seul est artisan du perfectionnisme. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, que ce soit ce chapitre, et permettez que je continue, que ce soit vibration sans puissance, le besoin du combat spirituel, sur ta parole, je jetterai le filet. Cinquième partie, pas de révolution orange. Chapitre, ça fait, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Douzième chapitre, pas de révolution orange. 13e chapitre, c'est quoi? Enflamme-toi ou péris. 13e chapitre, l'élément indispensable. 14e chapitre, un seul Jean-Baptiste suffit. 15e chapitre, mourir pour vivre. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, je vous dis la vérité. Si vous m'écoutez en ce moment, même si vous aviez prévu l'argent là pour faire la ration de la journée, arrêtez cette ration et allez rapidement dans une église cathédrale de la foi, dans une librairie chrétienne. Si le libraire n'a pas le livre de l'échec au succès, c'est un tueur de destinée. Dites-lui de fermer sa librairie rapidement. Et appelez ce numéro urgemment. Que ce soit avec le Dunamis ou le Canal TV, nous allons vous donner une copie gratuitement au prix de 2500 francs. Je croyais que c'était plus, mon général. Le livre, si je le vends à 10 000 francs, mais essentiellement pour les 200 premières personnes, parce que j'ai environ 200 copies, à 2500 francs, ils n'ont qu'à appeler à ce numéro. Ils disent qu'ils font partie des 200. On dit ce numéro 1, 2, 3, 4. J'entends déjà votre téléphone vibrer. Bien sûr, bien sûr. Je vous dis la vérité, à 2500 francs, vous avez le livre de l'échec au succès. Et je le dis avec une certitude. Ta vie changera. Si ta vie ne change pas, viens, je te rembourse ton argent. Et je donne 500 francs de bonus pour que tu boives un jus. Et ce qui n'est même pas possible, parce qu'en lisant ce livre, obligatoirement et forcément, votre vie changera. Mais je sais de quoi je parle. Mon général, permettez que... Ce livre a été demandé pour être étudié dans les écoles, dans les instituts. Ce livre, c'est de l'échec au succès. De l'échec au succès. Les gens dans les écoles de management ont essayé d'étudier ce livre pour dire, mais comment un homme peut écrire de telles choses? C'est un dictionnaire de réveil. Un encyclopédie. C'est une encyclopédie du succès. La conclusion. Alors, avec votre permission, permettez que je lise la conclusion pour tous ceux qui nous écoutent, pour leur faire savoir ce qu'est véritablement de l'échec au succès. Ce livre n'a pas été écrit avec la tête, mais avec le cœur. Ça, c'est le général de Dieu qui le dit. Un cœur fatigué du superficiel et brûlant pour l'authentique. Il est l'expression d'une forte conviction biblique selon laquelle Dieu n'a créé aucun homme pour le ridiculiser après. Non, s'il te plaît, j'aimerais que tu reprennes cette phrase. Il est l'expression d'une forte conviction biblique selon laquelle Dieu n'a créé aucun homme pour le ridiculiser après. Jamais. Donc si vous êtes idiot aujourd'hui, la faute ne revient pas à Dieu. Si vous ne réussissez pas, la faute n'est pas à Dieu. Allez acheter le livre à 2500. Ne blâmez plus Dieu. Continue.
L'échec qu'il permet tout au long de notre parcours est un tremplin vers la gloire. Mmh. Est un tremplin vers la gloire. Chaque problème peut devenir une promotion et chaque échec une fenêtre d'opportunité. Car, comme le dit si bien Marc Prune, l'échec n'est rien d'autre que le succès qui essaye de naître sous une forme plus grandiose. Cessez de voir l'échec comme un ennemi et le percevoir comme un serviteur utile pour permettre d'entrer à l'école du succès. Ouais. Si, en lisant le livre, une flamme s'est allumée en toi, l'espoir, le courage et la détermination ne baissent pas les bras que dans la victoire, alors j'aurai atteint mon but. Et puis vous finissez en disant, mon général, les gens qui finissent toujours par faire l'histoire sont ceux qui ont supprimé les mots impossibles et découragement de leur vocabulaire. Fais de même et tu verras. Une personne qui a essuyé beaucoup d'échecs dans sa vie et ne se lasse pas vivra très bientôt un succès époustouflant. Que cela soit ton cas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon général, quelle conclusion merveilleuse. Quelle conclusion époustouflante. J'ai l'impression que les gens qui vont l'acheter, il y a quelqu'un qui a acheté ce livre, Cyril, et véritablement, il est venu après m'offrir un jus. Mmh. Il dit, c'est incroyable. C'est ce qu'ils feront, ceux qui le regardent actuellement. Non, je crois que ceux qui vont le prendre parmi les 200 premières personnes, appelez simplement ce numéro, rendez-vous dans une église cathédrale à la fois, ou alors à Dunamis FM, ou appelez-nous à Canodi TV, nous allons garder votre copie. Les 200 premières personnes, à 2500 francs, vous avez ce livre qui vaut 10 000 francs, prix normal. Mmh. Et prix promotionnaire décidé par le général de Dieu, 2500 francs, vous avez de l'échec au succès. Mesdames, messieurs, c'était Entre les lignes édition de ce jour. Nous sommes rentrés justement dans ce chef-d'œuvre littéraire produit et commis par le général de Dieu, le révérend docteur Dieunodor Kamlemnouga. Merci mon général et que le Seigneur vous donne davantage de révélations pour nous produire dans l'avenir de telles œuvres. Cyril, c'est le plaisir pour moi. Nous avons encore pratiquement une vingtaine de livres, il faut dire ça aux auditeurs. Nous sommes à une Donc le stock est limité. Non, il y a le stock, nous aurons l'occasion de parler. Donc je parle des différents types de livres parce que Dieu est miracle pour ta soeur, on en a parlé. La faveur. Mais on n'a pas parlé de la portion d'alliance. On n'a pas encore parlé du livre La pauvreté doit mourir. Comment recevoir la faveur divine, reçu sa vie chrétienne, l'église que l'enfer redoute. Ils sont nombreux les livres que nous avons écrits et ils sont disponibles. Donc les gens peuvent faire un package. Une commande d'un paquet de tous mes livres et nous allons les remettre ça. Vous nous suivez, que ce soit du côté du Gabon, du Congo, de la Guinée, de la France. Et vous nous suivez sur Internet et vous voulez bien sûr vous connecter à ces grâces, et bien c'est possible. Mesdames, messieurs, c'est donc possible avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous très vite pour un prochain numéro.